have come into this house, gathered in his name to worship him. We have come to this house, gathered in his name. Come on, say it. We have come, yes, gathered to worship Christ, our Lord. Oh, Lord, thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Say it one more time. We've come into this house. We have come. Glory. Gathered in his name to worship him. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Nous te remercions Seigneur Jésus parce que tu ne changes pas. Seigneur, ce soir, nous voulons encore te bénir, nous voulons élever ton nom, nous voulons glorifier ton nom parce que tu es fidèle, tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, nous venons encore à toi, Seigneur, pour que tu puisses nous enseigner, pour que tu puisses nous parler. Je te prie, Seigneur, de nous couvrir par ton sang précieux, couvre chacun. Et chacune d'entre nous par ton sang précieux, visite-nous dans nos maisons. Nous voulons, Seigneur, être libres. Alléluia. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, être délivrés de tout ce qui nous accable. Pose ta main, Seigneur, sur nos enfants. Pose ta main sur nos jeunes. Pose ta main sur tous les parents, Seigneur. Pose ta main sur l'Église. Seigneur, pose ta main sur toute personne qui va écouter ce message. Seigneur, je te prie de nous visiter puissamment par ton esprit. Par ta puissance, en ton nom puissant, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons commencer la quatrième partie de notre message sur la délivrance. Je bénis le Seigneur parce que à chaque fois, le Seigneur nous inspire, le Seigneur nous parle. Tout ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de nous ouvrir, d'ouvrir notre cœur aujourd'hui. En écoutant la parole de Dieu, nous voulons que le Seigneur accomplisse son œuvre parfaite dans notre vie, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants. Alléluia. Nous sommes privilégiés parce que le Seigneur nous a révélé sa parole. Sa parole est puissante, sa parole ne change pas. Sa parole est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Alléluia. Et je suis sûr et certain que le message d'aujourd'hui va encore vous bénir et nous voulons tous ensemble être d'un commun accord, d'un même esprit, alléluia, d'une même foi, parce que notre ennemi principal c'est le diable, notre ennemi principal c'est Satan et ses démons et nous voulons prier pour que le Seigneur nous aide à nous à être fermes, à ne pas se laisser influencer par certaines choses autour de nous, mais nous voulons rester focalisés parce que nous avons une mission à accomplir. Amen. Donc, rapidement, nous allons résumer l'enseignement de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, nous avions parlé des obstacles à une délivrance complète afin d'être libéré. Quels sont ces obstacles à la délivrance? Le manque de foi, nous avions parlé. L'infidélité aux réunions, le péché et le refus de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et nous prions le Seigneur que à chaque fois que nous sommes enseignés, à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, comme j'ai toujours dit, la première chose c'est de reconnaître, la deuxième chose c'est de se repentir, de confesser ses péchés, et la troisième chose c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est seulement comme ça que nous allons être délivrés et libérés. Le manque de pardon nous enferme dans une prison. Le manque de foi
nous empêche de se connecter à Dieu et le manque de fidélité au réunion nous empêche d'être nourris, nous empêche d'être soumis et le péché nous condamne. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Et aujourd'hui, je prie que le Seigneur pose sa main sur toi là où tu es pour que ton esprit puisse s'ouvrir pour recevoir la parole de Dieu. Je ne serai pas très long aujourd'hui, mais ce que je vais dire, ça sera tellement important. Et j'aimerais vraiment que le Seigneur nous parle aujourd'hui. On avait parlé, le verset clé de la semaine dernière, c'était Marc 16, verset 17. Ça, c'est notre verset principal. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Donc, la clé pour chasser les esprits méchants est d'employer l'autorité spirituelle. Hallelujah. Nous avons reçu une autorité, nous devons mettre cela en pratique. L'autorité que nous avons est bien sûr dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons savoir qu'il y a des esprits qui sont tellement costauds, il y a des esprits qui sont dans des liens, des chaînes, qui proviennent de notre famille. Donc il s'agit ici de fouiller, il s'agit ici d'aller plus loin, d'aller à l'origine pour être complètement libéré, de couper tous ces liens qui nous gardent esclaves, qui nous gardent en prison, qui nous gardent enchaînés. Il y a des liens qui vous gardent dans la servitude, comme on avait vu, je pense, la deuxième partie de la délivrance. Et je prie vraiment que vous puissiez à chaque fois réécouter les enseignements pour que vous soyez vraiment affermis dans tout ce que nous enseignons et que la parole de Dieu puisse agir dans votre vie. Amen. Donc aujourd'hui pour la quatrième partie, nous allons voir pourquoi certains ne sont pas délivrés. Vous savez qu'il y a des choses qui peuvent empêcher notre délivrance. Il y a des choses qui peuvent empêcher votre délivrance, votre libération. Premièrement, c'est le manque de repentance. Deuxièmement, c'est le manque de désespoir. Troisièmement, c'est des mauvais motifs que nous avançons. Et quatrièmement, c'est le fait d'être centré sur soi et de désirer attirer l'attention. Cinquièmement, ne pas rompre le lien occulte. Sixièmement, ne pas pouvoir rompre le lien des relations charnelles. Et septièmement, ne pas être libéré d'une malédiction. Et huitièmement, ne pas vouloir confesser un péché spécifique. Et enfin, ne pas avoir été baptisé d'eau et d'esprit. Alléluia. Donc le premier point, comme nous l'avons dit, le manque de repentance. Vous savez que chaque pécheur est en rébellion contre Dieu, à la fois par ses actions, son comportement ou son caractère. Donc, nous sommes qualifiés pour recevoir les bénédictions de Dieu quand on renonce à la rébellion et que l'on se repent. La rébellion nous amène loin de Dieu et la repentance nous rapproche de Dieu. Nous devons nous poser cette question. Posez-vous cette question. Êtes-vous soumis sans réserve à l'autorité de Jésus-Christ dans votre vie? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Êtes-vous soumis sans réserve à l'autorité de Jésus-Christ dans votre vie? Cette question est tellement importante. Si vous êtes encore dans une attitude de rébellion, le seul remède, c'est la repentance. La repentance te permet d'être couvert. La repentance te permet d'être efficace, d'être puissant. L'ennemi ne pourra pas se jouer avec toi. L'ennemi ne pourra pas t'influencer si ta vie est remplie de cette vie de sainteté, de repentance. C'est-à-dire que ton cœur est connecté à Dieu. C'est-à-dire que tes pensées sont connectées à Dieu et ton âme est protégée. Dans la repentance, nous nous soumettons volontairement à l'autorité de Jésus-Christ. Donc notre repentance se révèle véritable quand il y a l'obéissance, dont nous en avons énormément parlé. On a parlé sur l'obéissance, on a parlé sur la soumission et nous voulons évoluer. On ne veut pas rester stagné à chaque fois. Il faut évoluer, il faut avancer. Les gens, vous savez, cherchent aujourd'hui la délivrance tout simplement pour être libérés des conséquences de l'oppression spirituelle, des conséquences de leur péché.
Mais cela n'est pas une raison suffisante. Il faut un engagement. Il faut un engagement sincère. Pourquoi? Si vous ne vous engagez pas à servir le Seigneur après votre délivrance, vous n'avez pas reçu une vraie délivrance. C'est-à-dire, votre délivrance sera passagère et pas permanente. Donc, une personne qui est délivrée, une personne qui est libérée, c'est une personne qui doit logiquement servir le Seigneur. Parce que la raison de notre délivrance, la raison de notre liberté, c'est pour servir le Seigneur afin de délivrer les autres, afin de libérer les autres. Donc, une personne qui est réellement libérée, une personne qui est délivrée, libérée, c'est une personne qui va produire. C'est-à-dire, c'est une personne qui va prendre soin des autres. Lorsque vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape de prendre soin des autres, c'est-à-dire d'aller évangéliser, de gagner une âme, de pouvoir partager avec cette personne ton expérience, comment le Seigneur t'a aidé, comment le Seigneur t'a délivré, et que tu aides personne à sortir de cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur et amener cette personne à la lumière de Jésus-Christ, à la lumière de l'Évangile. Et là, tu deviens réellement une personne qui est libérée, qui est délivrée. Mais un enfant de Dieu qui n'est pas libéré, un enfant de Dieu, un chrétien qui n'est pas libéré, c'est un chrétien qu'on prend tout le temps soin de lui. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, tu es stagné, tu es toujours arrivé à cette, tu es toujours resté à ce niveau d'immaturité spirituelle. On prend toujours soin de toi après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans de la vie chrétienne, on prend toujours soin de toi. Mais tu dois faire un effort, tu dois prier, Seigneur, libère-moi de cet esprit qui m'attire toujours vers le bas. Libère-moi de cet esprit qui m'accable toujours. Libère-moi de cet esprit qui me tourmente afin d'être puissant, afin d'être fort, afin d'être puissante, forte pour te servir, c'est-à-dire servir les autres. Lorsque nous servons Dieu, nous servons en réalité les autres. En servant les autres, on sert Dieu. Donc vous comprenez, c'est très simple. Si vous voulez servir Dieu, servez les autres. Si vous servez les autres, c'est-à-dire vous servez Dieu en même temps. C'est-à-dire on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas, alors qu'on n'aime pas la personne qu'on voit et on pense aimer Dieu qu'on ne voit pas. Si on aime réellement, si on aime réellement Dieu qu'on ne voit pas, on doit aimer. Je dois aimer le prochain que je vois. Et cela veut dire que j'aime Dieu. Donc voilà, pour comprendre, une personne qui est délivrée, une personne qui est libérée, c'est une personne qui est maintenant prête à servir les autres. La repentance est quelque chose qui est agréable à Dieu. Il est toujours prêt à pardonner. Dieu est toujours prêt à pardonner, à guérir et restaurer ceux qui se repentent réellement, sincèrement. Nous devons, mes frères et sœurs, reconnaître nos erreurs et nous repentir. La première chose, reconnaître. Seigneur, je reconnais, Seigneur, j'ai marché longtemps sans toi, Seigneur, maintenant j'ai compris. Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux me repentir sincèrement. Ceux qui refusent de se repentir vont perdre énormément. Ils resteront dans leur péché et seront privés de la bénédiction. J'espère que vous ne voulez pas être privé de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, tout est automatique. La vraie bénédiction, je ne parle pas de cette bénédiction qui est éphémère, qu'on a besoin d'une voiture et puis demain, la voiture tombe en panne. Ici, je parle d'une vraie bénédiction spirituelle. Cette bénédiction qui nous garde, alléluia, complètement libre. Mon âme est bénie. Mon esprit est béni, alléluia. Mes pensées sont bénies, mon corps est béni. Et cette bénédiction-là, c'est une bénédiction qui est efficace parce que tu peux manquer plusieurs choses, mais tu as la joie, alléluia, tu as la paix du cœur parce que Dieu t'a béni spirituellement et que cette bénédiction prend le contrôle de tout, maîtrise tout, alléluia. Même si aujourd'hui, tu manques de plusieurs choses, mais c'est une bénédiction parce que toi, tu t'es repenti sincèrement et tu as la bénédiction de Dieu. Alléluia, la main de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu est sur toi, la protection de Dieu est sur toi. Alléluia. 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit,
si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Et nous purifier de toute iniquité. Donc, tu as une démarche à faire. Après, Dieu pardonne. Alléluia. Tu dois d'abord confesser tous tes péchés. Ne sois pas timide, ne sois pas renfermé, parce que ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable veut que tu restes dans cette situation, parce que si tu ouvres ta bouche, alléluia, tu vas parler et tu vas sortir certaines choses que tu gardes dans ton cœur depuis très longtemps pour que nous puissions t'aider, pour que nous puissions prier et cibler exactement le problème. Parce qu'on ne doit pas prier comme ça en l'air, on ne doit pas prier, taper l'épée dans l'eau, on doit cibler nos prières pour que nos prières soient efficaces. Deuxième point, c'est le manque de désespoir. Le manque de désespoir, lorsque nous cherchons la délivrance, nous devons reconnaître notre situation et ne pas faire semblant que tout va bien. Ce que je viens de dire tout à l'heure, si quelqu'un est prisonnier par un dictateur, par exemple, un despote, un tyran cruel qui a de la haine pour lui et qui fera tout son possible pour le détruire, quand on se tourne vers Jésus-Christ, il faut avoir la pleine conviction qu'il est le seul à nous aider, qu'il est le seul à nous libérer de cette emprise de ce dictateur ou de ce despote. Alors, quand Pierre était en train de prier dans les eaux du lac de Galilée, il avait crié à Jésus-Christ, alléluia, sauve-moi. Il a crié et a dit, Jésus-Christ, sauve-moi. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 14, verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncé, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Voilà le cri d'une personne qui est désespérée. Donc, si il te manque le désespoir, c'est que quelque part, tu te suffis à toi-même, tu es suffisant, ou bien tu te plais dans cette situation. Mais une personne qui sent qu'il est en train de sombrer, il est en train de couler, et cette personne va crier à Jésus, alléluia, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Alléluia. Matthieu 14, verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre, à ce moment, il avait réalisé que l'eau allait atteindre sa bouche et qu'il ne pourra plus crier pour obtenir de l'aide. Vous savez qu'à un certain moment, notre situation va arriver à un certain point où ta situation va arriver à un certain point où tu n'auras plus la force de crier. C'est le moment de crier. Donc, pour être délivré, nous devons manifester cette attitude de désespoir. Il faut crier maintenant à Jésus-Christ parce qu'il est prêt aujourd'hui à te tendre la main pour te sortir de cette situation. Ne reste pas dans cette situation. Vous savez qu'il y a certaines personnes, je ne sais pas, je pense que ça sera une parole de connaissance pour vous. Il y a certaines personnes qui sont venues me voir pour vous dire non, dans cette église, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire ta vie, il ne faut pas... Est-ce que vous savez l'esprit qui se cache derrière cette personne qui vous a dit ça? Maintenant, imaginez, vous avez une situation qui nécessite une prière profonde. Vous avez une situation qui nécessite un moment de jeûne. Vous avez une situation qui nécessite un conseil pastoral. Et une personne qui vient vous dire que non, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire à personne. Et vous gardez ça et vous êtes en train de pourrir cette histoire. Vous êtes en train de pourrir votre vie parce que ça va vous ronger, parce que vous n'êtes pas mandaté à lutter contre ça, parce que vous êtes victime vous-même. Ou bien, peut-être vous êtes aussi acteur, donc vous avez besoin d'une force extérieure. Et le fait de confesser, le fait de parler, ça permettra à l'homme de Dieu d'entrer en prière avec toi pour que tu puisses être délivré et libéré. Donc, le conseil que cette personne t'a donné de ne rien dire, de ne pas parler, je comprends ta peur, je comprends cela parce que c'est vrai que quand on parle à tout le monde, on va dans tout le sens. Mais ici, il s'agit d'une circonstance très très profonde. C'est entre la vie et la mort.
Donc, il faudrait que tu puisses t'ouvrir, il faut que tu puisses parler pour que le Seigneur puisse t'aider, pour que l'Église puisse prier pour toi. C'est dans le combat que tu vas gagner cette victoire. Si on ne prie pas à l'Église, où est-ce que nous allons encore prier? Parce que l'Église a été bâtie pour ça. L'Église a été établie pour ça. Alléluia, pour libérer les âmes de l'enfer, pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia, pour libérer ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans la servitude. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez faire confiance en vous-même et vous devez faire confiance en Dieu. Quelqu'un qui vient vous parler, et vous allez dire, est-ce que pasteur est au courant de ce que vous m'avez dit? Vous le posez, c'est la seule question. Est-ce que ce que vous m'avez dit, est-ce que le pasteur est au courant? Si le pasteur n'est pas au courant, c'est que cet esprit-là vient du diable. La première chose, si vous venez à l'église, il y a une autorité qui est là, l'autorité pastorale. C'est Dieu qui a délégué cette autorité. Donc, si une personne fait le contraire de ce que Dieu a délégué à son serviteur, c'est que cet esprit-là vient du diable. Donc, il faut confronter, il faut s'opposer tout de suite à cet esprit. La première chose, venez vite voir le pasteur. Ah, pasteur, voilà. Voilà ce qui se passe. Et moi, je vais régler cette affaire-là. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes dans le combat spirituel. Nous sommes dans cet espace spirituel où nous devons terrasser l'ennemi. Vous savez que l'ennemi utilise toujours les êtres. Donc, l'ennemi peut utiliser n'importe qui. Donc, il faut discerner. Amen. Donc, la délivrance, c'est pour ceux qui ne veulent plus vivre dans la misère du péché. Ouais. Donc la délivrance, c'est pour ceux qui ne veulent plus vivre dans la misère du péché. Donc si vous voulez rester dans la misère, ben, ne cherchez pas votre délivrance. Si vous voulez continuer à vivre dans la misère, alors ne parlez pas, ne dites pas, ne faites pas confiance au pasteur, ne faites pas confiance à l'église, ne faites confiance à personne et vous allez vivre dans cette misère du péché. La délivrance, c'est pour ceux qui ne veulent plus vivre dans l'oppression. C'est pareil. Donc, si vous voulez vivre dans l'oppression, ne cherchez pas votre délivrance et vous serez toujours oppressé. La délivrance, c'est pour ceux qui ne veulent plus vivre dans la dépression, dans le tourment. Alléluia. Seigneur, je te prie de poser ta main sur mon frère, pose ta main sur ma sœur pour que celui-ci, celle-ci cherche sa délivrance. Alléluia. Cherche sa liberté complète dans le nom puissant de Jésus-Christ. La délivrance, c'est pour ceux qui veulent trouver la liberté en Jésus-Christ. J'aimerais savoir si vous cherchez vraiment la liberté. Si vous voulez être libre, alléluia, vous allez confesser, vous allez parler, vous allez chercher votre délivrance. Sortez de ce filet de l'ennemi, de ce piège de l'ennemi. Ça peut être même ton ami. Amen. Ton ami que tu côtoies tous les jours à l'église, qui te donne des conseils qui sont opposés à ce que le pasteur dit. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, vous êtes complètement liés. Parce que vous faites, votre pasteur finalement, c'est cette personne qui vous donne des conseils, qui vous dit il ne faut pas parler. Et le pasteur n'est pas au courant de votre situation. Mais cette personne est au courant de votre situation. Et le jour où le problème va s'aggraver, cette personne-là sera jugée. Il sera condamné par rapport à votre situation. Parce qu'elle savait ce qui s'est passé dans votre vie et l'autorité établie n'était pas au courant de ça. Donc, mon conseil est très simple. Si vous avez un problème, la première chose, allez voir, c'est le pasteur. Si vous avez quelqu'un à qui vous avez un partenaire dans la prière, il n'y a pas de problème. Mais ne tardez pas avec une situation qui est très difficile, que vous luttez pendant des années. Et vous l'avez confié juste à votre ami. Donc voilà, c'était vraiment un point très important. Si vous êtes désespéré, alléluia, priez, libérez-vous. Troisième point, certaines personnes ont des mauvais motifs. Jacques 4, verset 3 nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi ? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, vous demandez que pour votre intérêt. Votre intérêt prime au lieu de chercher la volonté de Dieu. Vous cherchez d'abord votre intérêt. Donc, quelquefois, certaines personnes demandent la délivrance pour mieux profiter de la vie. Parce que leur oppression, leur vie sous le joug de l'ennemi est déplaisante. Donc, leur pose des barrières pour réussir. Donc, vous demandez, vous cherchez votre délivrance, c'est juste pour satisfaire
votre vie pour profiter. Mais la vraie délivrance, c'est pas que pour vous, la vraie délivrance est pour servir aussi, pour servir les autres. Vous êtes délivré, merci Seigneur, vous êtes libre de profiter de certaines choses, mais la vraie délivrance, lorsque vous êtes délivré, premièrement, c'est pour servir le Seigneur. Certaines personnes cherchent leur délivrance pour réussir leur projet professionnel et pas pour servir le Seigneur. Donc, on en a déjà parlé, on cherche sa délivrance pour servir les autres. Il faut examiner ses motifs. La première chose, examiner ses motifs. Pourquoi voulez-vous être libre aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous? Pour être sauvé? C'est une bonne raison. Mais la première raison ici, vous devez être libre pour libérer votre famille, pour libérer ceux qui sont autour de vous. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Allez par tout le monde. Alléluia. Allez par tout le monde. Pourquoi? Pour évangéliser. Allez par tout le monde. Pourquoi? Pour baptiser. Alléluia. Pour que les âmes qui sont liées, qui sont enchaînées, soient délivrées et qu'elles soient remplies du Saint-Esprit. Amen. La liberté que nous avons en Jésus-Christ n'est pas donnée pour continuer à mener une vie de plaisir égoïste. Non, c'est pour servir. Amen. Nous voulons servir le Seigneur. Je prie, mon frère, ma soeur, que tu puisses prendre cette conscience que Dieu t'a créé, que Dieu t'a élevé, que Dieu t'a tout donné. Et aujourd'hui, tu es libre. Libre pourquoi? Libre pour servir le Seigneur. On est libre de quoi? On est libre du péché pour servir. Quatrième point, je pense qu'on va s'arrêter sur ce quatrième point. C'est le fait d'être centré sur soi. Le fait d'être centré sur soi, de désirer attirer l'attention. Vous savez, beaucoup de gens attirent l'attention que sur eux. Certaines personnes cherchent l'attention, elles veulent être sur le devant de la scène. Et certaines personnes cherchent à attirer l'attention, elles veulent paraître, être vues de tous, que l'attention de toute l'Église se focalise sur eux. Vous savez que c'est un esprit de distraction. Si vous voulez que l'attention de l'Église soit focalisée que sur vous. Vous savez que dans l'Église, nous avons plusieurs départements, nous avons des enfants, nous avons des jeunes, nous avons des mamans, nous avons des papas, des frères et sœurs, nous avons des visiteurs qui viennent pour la première fois. Nous avons plusieurs départements dans l'Église. Vous savez que nous voulons être efficaces partout. Et si vous voulez attirer l'attention que sur vous, donc vous êtes égoïste. Lorsque vous venez à l'église, la première chose, vous venez pour adorer Dieu. C'est votre objectif premier, adorer Dieu. Louer le Seigneur. Écouter la parole de Dieu. Et mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsqu'on dit, je mets la parole de Dieu en pratique, ce que je ne suis plus égoïste, c'est-à-dire je prends soin des choses de Dieu. Alléluia. Donc, dans ta vie, tu dois diminuer et que Jésus-Christ puisse grandir. C'est-à-dire, lorsque tu sers le Seigneur, tu ne sers pas le Seigneur pour toi. Tu sers le Seigneur pour les autres. C'est-à-dire, toi, tu ne sers plus à rien après avoir servi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Pourquoi? Parce que Dieu se sert de nous seulement pour les autres. Et c'est aussi un symbole d'humilité. Attirer l'attention sur soi, c'est aussi une personne qui ne veut pas grandir. C'est comme un enfant, c'est comme un bébé. Il veut tout le temps être entre les bras de sa maman, être nourri. Et voilà, si on ne prend pas soin d'un enfant, il va commencer à faire des bêtises. Il va commencer à casser les choses, il va commencer à claquer la porte, il va commencer à faire... Parce que cet enfant veut attirer l'attention sur lui. Et lorsqu'on grandit, on commence à prendre un peu de responsabilité. On commence à aider. À un certain âge, on commence à faire un peu de ménage. Là où les parents n'ont pas eu le temps de le faire, tu viens le faire. Vous voyez le parallèle que je fais entre la maison et l'église.
voyez, dans ma maison, je peux travailler et à un certain moment, je suis fatigué et je laisse certaines choses par-ci par-là. Et mon fils Raphaël, il vient là, papa, il a fait 80%. Et moi, je continue. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et Raphaël, demain, va pas dire, non, ben, il n'y a que moi qui fais ça. Non, c'est un privilège. C'est une bénédiction. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, nous ne voulons pas tomber dans ce piège où on doit être vu. Mais on doit laisser Jésus-Christ paraître. Alléluia. C'est-à-dire, je dois diminuer pour que Jésus-Christ puisse grandir. Alléluia. Je dois m'effacer pour que Jésus-Christ soit visible. Lorsque Jésus-Christ est visible, Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est visible en vous, vous allez voir comment le Seigneur va vous élever. Mais si vous cherchez à être visible, vous allez diminuer. Donc, tu dois faire cette prière. Seigneur, sois visible pour que moi, je sois invisible. Amen. Certaines personnes se sentent sans importance, ignorées et aimeraient qu'on les regarde, qu'on les remarque. Ces personnes vont chercher la délivrance pour que l'on se soucie d'elles, pour qu'on s'occupe d'elles. Donc, mes frères et sœurs, ne cherchons pas à être remarqués. Cherchons plutôt que Jésus-Christ puisse être visible dans notre vie. Quand elles cherchent la délivrance, elles deviennent soudain le centre d'intérêt. Et elles aiment ça, être le centre d'intérêt. Vous savez, vous êtes partout. Lorsqu'il y a un problème, votre nom est toujours là. Lorsqu'il y a une situation, votre nom est toujours là. Vous êtes partout. Vous n'êtes pas discret. Vous n'êtes pas discrète. À un certain moment, vous devez être discret. À un certain moment, vous devez être discrète. Mais cela ne veut pas dire d'être timide, de ne pas parler. La discrétion dont je parle ici, c'est de laisser le Seigneur faire les choses. Lorsque tu fais quelque chose, on voit l'amour, on voit Christ, on ne voit pas vous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas glorifié dans ça. C'est Jésus-Christ qui est glorifié. Vous savez que certaines personnes, lorsqu'on leur dit, ah, waouh, c'était super, vraiment, ce que tu as fait, c'était vraiment excellent. Certaines personnes aiment ça. Mais lorsque tu dis, oh, gloire au Seigneur, que le Seigneur soit élevé de t'avoir utilisé, vous voyez la différence, que Jésus-Christ soit élevé de t'avoir utilisé. Que lorsque je dis, ah, oh, ce que tu as fait, c'était vraiment magnifique. Il y a une différence. Il faut chercher à ce que Jésus-Christ soit glorifié à chaque moment. Pourquoi? C'est pour vous préserver de toute blessure. Alléluia. Après leur délivrance, elles retournent, certaines personnes retournent dans l'ombre et ont l'impression d'être oubliées. Vous savez que une personne qui voulait à tout prix attirer l'attention pour être délivrée, c'est un esprit hein, qui est derrière tout ça. Et après la délivrance, le travail est fini. Mais est-ce qu'il y a toujours ce sentiment d'être vu, d'attirer toujours l'attention? Parce qu'on a fini le travail avec toi et on veut prendre soin de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'on t'a abandonné, non, on t'a pas abandonné. On a pris soin de toi, on t'a nourri, on t'a aidé, on a pris le temps de combattre avec toi pour que tu sois grand, pour que tu puisses grandir. Pour que tu puisses grandir. Maintenant, tu as grandi, maintenant tu dois servir. Maintenant, on doit prendre soin de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a plusieurs bébés spirituels dans l'église. On veut aussi les aider. C'est-à-dire, l'énergie que j'ai, amen, sera complétée par ton énergie parce que tu as grandi. Ah oui, maintenant j'ai grandi, je vais épauler le pasteur. C'est-à-dire, tu rajoutes une énergie supplémentaire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est en toi maintenant, tu viens te connecter au pasteur. Alléluia, le pasteur se sent fort. Mais lorsque le pasteur veut prendre soin des bébés spirituels, des nouveaux convertis, et toi qui es déjà mature, en quelque sorte, qui est déjà beau, qui a beaucoup reçu, et le pasteur compte sur toi. Compte sur toi à ce moment-là, pour que tu puisses l'épauler dans la prière. Mais toi aussi, tu deviens une source de problèmes au pasteur. C'est-à-dire, le pasteur doit prendre encore soin de toi. Et qui va s'occuper des nouvelles personnes qui sont là? Donc, je suis distrait par ce que tu fais, parce que tu vas attirer l'attention sur toi. Et je donne toute mon énergie à une personne, à une chrétienne qui est déjà mature. Ça fait 20 ans que tu es à l'église et tu
Tu veux toujours que le pasteur puisse te prendre comme un bébé, alors qu'il y a d'autres bébés qui sont là, qui attendent. Voilà ce que tu dois comprendre, que lorsque tu agis ainsi, tu es égoïste. Tu es un égoïste, donc tu ne veux pas que le pasteur puisse se libérer pour les autres, pour donner plus de temps aux autres. Donc, mes frères et sœurs, nous devons faire très attention, parce que dans le combat spirituel, dans ce domaine de délivrance, il y a des étapes. Alléluia. Et lorsque tu arrives à un niveau de stabilité, à un niveau où tu es mature, à un niveau où tu peux prendre soin de toi-même, c'est-à-dire tu dois prier de toi-même, le pasteur ne doit pas te forcer à prier, tu dois lire la parole de toi-même, le pasteur ne doit pas te forcer. Alléluia. Tu dois venir à l'église toi-même, prendre soin de l'église, le pasteur ne doit pas te rappeler est-ce que ça a été fait. Ça, tu comprends, tu es en train de donner plus d'énergie, l'énergie, de ton énergie au pasteur, à l'église, tu es utile. Amen, tu es utile. Mais lorsque le pasteur se pose la question, est-ce que ça a été fait? Quelque part, même moi, il y a un manque de confiance. Je dis, bon, parce que il y a 2, 3 semaines, ça n'a pas été fait correctement, ou bien il fallait que je passe après pour que ça soit fait. Et voilà, je contrôle. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que tu as eu le temps? Mais normalement, je ne dois pas contrôler. Je dois juste constater que ça a été fait et je remercie le Seigneur. Mais si le pasteur doute, si le pasteur n'est pas tranquille, je vais aller voir si ça a été fait. Sur quelque part, il y a un manque de confiance. C'est là que nous devons traiter. C'est là qu'on parle de la maturité. Donc le Seigneur nous aide à ne pas trop charger le pasteur, mais plutôt à lui donner plus d'énergie pour prendre soin des autres. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je te prie que tu poses ta main sur cette personne qui écoute, Seigneur Jésus-Christ, cette vérité, cette révélation. Délivre cette personne, libère cette personne pour que cette personne soit utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 7, apprenons toujours et ne pouvons jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Avoir la compassion, c'est bien. Mais il faut mettre ces personnes qui ont besoin d'attention devant leurs responsabilités. Vous savez que il y a des gens qui apprennent toujours. Il y a des gens qui ont entendu beaucoup de choses, qui ont reçu beaucoup d'enseignements, mais ils n'arrivent toujours pas à la connaissance de la vérité. Ils refusent la vérité. Ils ne comprennent pas ce qu'est réellement être libre. 2 Timothée, verset 3, 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et je prie vraiment, ma prière aujourd'hui est que tu arrives à la connaissance de la vérité tout simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin et le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Lorsque tu marches dans la vérité, alléluia, Jésus-Christ va t'aider dans cette croissance spirituelle. Merci Seigneur. C'est vrai qu'on peut avoir la compassion de ces personnes qui veulent attirer l'attention sur elles. Mais il faut à un certain moment qu'on laisse ces personnes-là face à leurs responsabilités. C'est-à-dire, certaines personnes ont besoin des expériences pour grandir. La parole ne suffit pas. L'enseignement ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Les visites ne suffisent pas. Les coups de fil ne suffisent pas. Ils ont besoin de leur expérience, palper quelque chose. Vous savez qu'il y a certaines personnes, pour comprendre, pour saisir certaines choses, il doit quelque chose de grave doit arriver. Mais il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas arriver à ce point-là pour comprendre ce que le Seigneur veut faire dans votre vie, ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Il faut considérer ce que tu reçois. Il faut aimer la parole de Dieu, il faut comprendre, il faut être obéissant, il faut être soumis pour que tu puisses arriver à la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Amen. Le point 5, on va essayer d'aborder ça rapidement, ne pas rompre les liens occultes. Vous savez que la plupart des gens sont liés, ils ont contracté les liens occultes. Nous regardons dans Exode, chapitre 23, verset 24, la Bible dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, leur faux Dieu, et tu ne les serviras point.
et tu ne vas pas imiter leur peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras. Alléluia. Ça, j'aime bien, tu les détruiras. On parle ici bien spirituellement et tu briseras leur statut. C'est vrai que dans l'Exode, c'était vraiment réel, c'était vraiment physique. Mais ici, maintenant, on est dans le domaine spirituel. Tu dois détruire tout esprit qui vient pour t'initier dans les choses occultes. Vous savez que beaucoup de gens sont initiés dans ces choses dès le bas âge. Et ils sont inconscients de cela. Et nous voulons aller en profondeur. Nous voulons détruire les liens occultes. Nous voulons détruire ces autels qui lient tout ce monde-là, tous ces gens-là, et qui le gardent captif. Vous savez que lorsque le Seigneur nous révèle l'origine de tous ces liens, on doit rentrer en profondeur pour couper les liens, couper les chaînes, pour libérer ceux qui sont captifs. Vous savez que le pays de Canaan, où Dieu a amené le peuple d'Israël, était idolâtre, corrompu, rempli d'occultisme. C'est pour cela que Dieu a dit à son peuple de ne pas se prosterner devant leur Dieu étranger. Donc le monde aujourd'hui, mes frères et sœurs, ressemble au pays de Canaan, corrompu, souillé par toute forme d'occultisme. Mais beaucoup de chrétiens sont lents à comprendre combien Dieu, comment Dieu n'aime pas l'occultisme, comment Dieu ne veut pas qu'on touche à ces choses-là. Il nous demande de rompre avec ce monde occulte. Certaines personnes qui veulent être libérées sont comme la femme de Lot. Ils quittent le monde, mais regardent en arrière. Ils quittent le monde, mais regardent les choses du monde. Nous ne voulons pas être comme la femme de Lot. On quitte le monde et on regarde en avant. Alléluia. Nous chantons souvent le monde en arrière et la croix devant moi. Amen. Je porte ma croix et je marche avec le Seigneur. Maintenant, le monde en arrière. Mais mes amis me laissent, mais moi, je le suis. Alléluia, je suis Jésus-Christ jusqu'au bout. La question est celle-ci pour la femme de Lot. Voulait-elle vraiment échapper à Sodome et Gomorre ou voulait-elle vraiment être libérée? Ça, c'est la question. Et c'est la même question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que je veux vraiment être libéré du monde? Je veux vraiment échapper à cette destruction qui va arriver. Vous savez que nous arrivons dans les derniers temps, nous devons sortir de ce monde. La Bible dit « Sortez du milieu de mon peuple » dans le livre d'Apocalypse. Nous ne devons pas être parmi ces gens-là. Nous devons sortir de ce monde-là qui est occulte et être libre et servir le Seigneur avec efficacité. Amen. Vous savez que la femme de Lot a jeté derrière elle un coup d'œil fatal. Ce coup d'œil fatal pour voir ce qu'elle a laissé derrière elle, et elle s'est transformée en statue de sel. Juste un coup d'œil que cette femme de Lot a jeté derrière elle, et ce coup d'œil était fatal. Et vous savez que la vie va tellement vite. Ça fait longtemps que vous marchez avec le Seigneur, ça fait longtemps que vous priez, ne regardez pas en arrière. Vous savez que le Seigneur peut revenir alors que je suis en train de parler, la trompette peut sonner. Ne dites pas que non, je veux voir demain. On ne remet pas son salut à demain, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois confesser, c'est maintenant que tu dois prier. C'est maintenant que tu dois remettre ta vie au Seigneur. C'est maintenant que tu dois te repentir sincèrement. C'est maintenant que tu dois servir le Seigneur. Alléluia. C'est maintenant que le Seigneur veut te libérer pour que tu puisses être son instrument pour libérer aussi les autres. Alléluia. Le Seigneur nous cite son exemple pour nous avertir dans Luc 17, verset 32. Il dit, « Souvenez-vous de la femme de Lot. Certaines choses liées à l'occultisme sont subtiles, mes frères et sœurs, et difficiles à détecter. Il faut prier pour avoir le discernement des choses qui se passent autour de nous. Il faut prier pour que le Seigneur nous aide, alléluia, à être stable. Vous savez, comme on a dit tout à l'heure, la repentance doit être profonde pour que tu sois réellement libre. Il faut rompre avec les choses
au culte. Il faut rompre avec les choses de ce monde. Il faut rompre avec ces choses qui essaient de nous écarter, de nous éloigner de notre destinée, de notre libération totale. Il faut prier pour que le Seigneur visite maintenant votre maison. Alors que nous sommes en train de prier, je prie que la présence de Dieu soit dans ta maison maintenant. Je prie que son esprit puisse descendre là où tu es. Alléluia. Là où tu es, ferme tes yeux et prie. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton esprit. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es fidèle, parce que tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Pose ta main sur mon frère, pose ta main sur ma sœur, pose ta main sur nos jeunes, pose ta main sur nos enfants, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, être libres complètement. C'est pour cela que nous voulons aujourd'hui confesser nos péchés, Seigneur. Nous voulons inviter ta présence dans nos maisons. Nous voulons inviter, Seigneur Jésus-Christ, que tu viennes avec ton onction, ta puissance, nous libérer des chaînes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que notre délivrance, que notre liberté nous engage à te servir, Seigneur, parce que tu veux utiliser chacun et chacune d'entre nous, là où nous sommes, à être efficace, Seigneur, pour que ton royaume puisse avancer. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Nous sommes aujourd'hui maintenant avisés, nous sommes affermis, nous sommes armés maintenant pour aller plus loin dans notre démarche. Alors que vous cherchez forcément la face de Dieu, vous cherchez votre délivrance, et je prie vraiment que le Seigneur vous aide dans cette démarche. Qui est noble dans cette démarche, qui va vraiment non seulement vous libérer, mais libérer toute votre famille. Vous êtes aujourd'hui parmi les gens que Dieu a appelés pour que vous puissiez entrer pleinement dans votre destinée. Mais cela dépend de vous, cela dépend de votre coopération. Vous devez coopérer, vous devez ouvrir votre bouche et vous devez parler avec violence. Vous devez chercher votre délivrance et ne laissez pas l'ennemi vous accabler. Ne laissez plus l'ennemi vous tromper. Ne laissez plus l'ennemi vous garder esclave dans cette servitude. Ne gardez plus cette et ne restez plus timide. Vous devez prier pour que le Seigneur enlève cet esprit de timidité et que l'ennemi ne puisse pas vous tromper. Voilà ma prière aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc notre prochaine réunion, ça sera samedi avec les hommes à 20h30. Nous voulons prier pour que le Seigneur pose sa main puissante sur tous les hommes. Et dimanche matin, n'oublions pas, nous avons un programme spécial avec les enfants. Tous les parents, soyons tous là à l'heure. Nous voulons prier pour les enfants. Focalisons nos pensées sur nos enfants, focalisons nos prières sur nos enfants. Alléluia. Nous voulons, je n'ai pas dit de prier pour les autres sujets, mais nous voulons faire un bloc. Amen. Pour ce mois de mars, comme j'avais dit, ne laissons pas l'ennemi nous distraire. Nous voulons nous focaliser sur nos enfants parce que l'ennemi sait que nous sommes engagés dans ce combat pour prier pour nos enfants parce que les enfants sont l'avenir d'aujourd'hui, sont l'église d'aujourd'hui. Alors ne nous laissons pas nous distraire par autre chose. Dimanche, je serai là à l'heure 9h45. On va commencer par l'intercession et après à 10h le programme commence. Que le Seigneur vous bénisse richement et à très bientôt. Au revoir. Come on, say it like you mean it. We have come. Come on, gathered all to worship Christ our Lord. Oh, word. Oh, yeah, Christ our Lord. Glory, come on. So forget about yourself this morning. So forget. Concentrate on Him. And worship Him. Said from your spirit. So forget about yourself this morning. So forget.
concentrate on him and worship him. Bless your name, God. So forget about yourself. Come on. So forget. Concentrate on him. And worship and worship and worship and worship. Hallelujah. Oh, worship him. Christ, come on, Christ. Hallelujah. Let us lift up holy hands. Let magnify his name and worship him. Let us lift up holy hands this morning. Hallelujah. Magnify his name and worship him. Let us lift up holy hands.